entretien des patriotes, bonjour à tous. Interview d'Emmanuel Macron par le duo lapix Boulot. La pire prestation farineuse d'Emmanuel Macron Anouna 3 boyard 0. Avant de traiter ces deux titres et d'autres informations, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Vous connaissez leurs noms. Yann Penaud, VTT Pollux, Bérimbo, Philippe Bohen, Radar Radar et Catherine Domergue. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier de vos gentils messages, de vous pousser lever de la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien, la bête est touchée. On va donc commencer par l'interview du chef de l'État. Mais voilà, il faut la contextualiser et on va regarder dans l'actualité des éléments qui vont permettre de dresser son bilan. Première vignette, santé mentale. Quatre ans après le confinement, 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs selon une étude. La santé mentale des jeunes s'est aggravée depuis le confinement selon une étude de l'Université de Bordeaux. Que révèle jeudi France Inter Pour mémoire, c'est Marie-Estelle Dupont qui a alerté sur la dégradation de la santé mentale des jeunes suite au confinement. Elle s'appuyait sur, sur les patients, justement, de son cabinet. À l'époque, on se rappelle, j'avais tourné un entretien sur le sujet des Jérôme Béglé, s'étaient moqué d'elle. D'autres avaient ni plus ni moins affirmé qu'elle exagérait, que tout cela, c'était une théorie du complot. Eh bien, c'est officiel, un rapport de Bordeaux nous montre qu'il y a une augmentation très importante de la dégradation de la santé mentale des jeunes. Nous attendons un même rapport sur les effets secondaires sur la surmortalité sur les mensonges de Véran Macron pour instaurer le passe sanitaire et le passe vaccinal. Qu'attendent les journalistes Eh bien, les journalistes, l'Apex boulot, vous les connaissez, ils resteront dans le narratif de l'Élysée. Délinquance La cagnotte pour Justin Han, un américano-coréen en soins intensifs après avoir été agressé gratuitement à Paris le mois dernier sans que la presse française en parle, réunit 30 000 dollars. Et pourquoi la presse refuse de parler de toutes ces agressions, de tous ces faits divers Parce qu'elle serait obligée de reconnaître que sous Emmanuel Macron, la France est devenue ce qu'on appelle la France orange mécanique, que la France est devenue un narco-État. Explosion du trafic de drogue, explosion de la délinquance. Vous en doutez Voyez ce qui s'est passé à Rennes ce samedi 9 et dimanche 10 mars. Un règlement de compte de narcotrafiquants à larmes lourdes a plongé un quartier dans l'angoisse durant toute une nuit. Une dizaine d'hommes en noir cagoulés tirant à larmes lourde. Certains portent des gilets par balles ciblés X pour éviter les tirs. Ce commando de narcotrafiquants a sévi dans la soirée du samedi 9 mars à Rennes. Un règlement de compte pour un point de deal dans un quartier stratégique de la ville bretonne situé juste à côté du métro. Du premier signalement à 1h56 du matin jusqu'à 3h03, des dizaines de coups de feu ont retenti. Les habitants ont vécu 67 minutes d'angoisse et deux d'entre eux ont été blessés par des tirs de Kalachnikov qui ont atterri dans un. Un appartement et pourquoi la police n'a pas pu intervenir plus rapidement parce qu'elle devait faire face à des kalachnikovs et qu'elle n'était pas suffisamment armée si je comprends bien le président de la république veut envoyer la légion en Ukraine mais il est incapable de protéger les habitants des cités parce que sa police n'est pas suffisamment armée est ce que des journalistes pourraient lui rappeler cette Terrible vérité, ce terrible constat. Pas le moins du monde, vous avez le duo des journalistes aux ordres, La Pix, boulot. Économie, énergie, énorme. Les raccordements des éoliennes et panneaux solaires vont faire exploser la, la facture d'électricité des Français. L'électricité, le plan à 100 milliards de RTE pour moderniser le réseau. Je vous avais. Je parlais de cette nouvelle il y a quelques semaines et voilà, c'est officiel. Le prix de l'électricité va continuer d'augmenter. Est-ce que les journalistes pourraient interroger le président de la République sur cette question Pas le moins du monde. Ils resteront sur le narratif ukrainien. Faillite. Après, avec 4815 défaillances de PME ces 12 derniers mois, le précédent record datant de la crise financière de 2008, et battu il s'agit même probablement d'un record absolu mais cela ne fera les gros titres d'aucun journal car le poumon de la france n'intéresse personne ou plus exactement il faudrait expliquer aux français que macron n'est pas le mozart de la finance mais le mozart de la faillite heureusement au sénat il y a quelques sénateurs qui rappellent à ce gouvernement sa gestion calamiteuse. On écoute. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis sept ans. Et depuis sept ans, ans, le bilan est calamiteux. Plus de 700 milliards de dépenses, près de 900 milliards, pardon, de dépenses publiques supplémentaires. Le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. Pour les pays développés, le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Mais, monsieur le ministre, c'est Bruno Le Maire, ministre des Finances, à qui je parle, ou alors vous, vous considérez que vous êtes complètement exempt de toute responsabilité Votre attitude est, de mon point de vue, irresponsable. Il y a 18 mois, c'était un budget à l'euro près, alors qu'il était en déficit. L'an dernier, vous nous avez proposé. Quelque part de discuter, mais jamais vous n'étiez autour de la table. Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui que vous assumiez votre responsabilité parce qu'elle est éminente. Vous vous êtes trompé. Vous aviez promis de la croissance pour réduire le chômage et notamment rétablir les finances publiques. C'est complètement à côté de la plaque. Eh bien, nous, moi, je vous pose aujourd'hui une question, monsieur le ministre, au regard de cette situation. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous rendiez votre tablier Bruno s'est fait dilater comme jamais. Enfin, enfin, un sénateur qui demande la démission du plus déplorable ministre de l'économie de la 5e. Souvenons-nous... Lorsqu'il a construit son budget, Bruno Le Maire, il a tablé sur une croissance d'1,4%. Tout le monde savait à l'époque, il y avait les prévisions de la Banque de France à 0,6%, que c'était une tromperie, un mensonge. C'était comme d'habitude pour faire croire que la politique de Macron allait amener de la croissance. Mensonge, mensonge de communication XXL. Et pour faire avaler ce mensonge, il ne fallait pas que les députés votent le budget. Non, ils ne l'ont pas voté. Ils n'ont pas pu regarder dans le détail. Que s'est-il passé Vous vous en souvenez Elisabeth Borne a dégainé une dizaine de 49.3 pour faire adopter ce budget. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un budget fallacieux. Et il va falloir augmenter les impôts ou faire des économies. Oui, démission Bruno Le Maire. Est-ce que le duo Lapix-Boulot Va expliquer ce genre de choses aux Français en posant des questions à Emmanuel Macron sur l'économie Ai-je besoin de répondre Hier soir, la Pix Boulot avait une mission faire avaler aux Français la pilule, c'est les Russes. Et pas une petite pilule, non, c'est trois boîtes de 16 qu'il a fallu avaler hier. Une véritable overdose qui en devenait d'ailleurs ridicule. Avant d'évoquer les saillies du président de la République. Un article du monde. Emmanuel Macron trinque un verre de whisky à la main. La nuit s'étire ce 21 février dans le salon des portraits à l'Élysée. Le chef de l'État répond à ceux qui le félicitent pour son beau discours en l'honneur des résistants arméniens, Missak et Miliné Manoukian, qu'il vient de faire entrer au Panthéon. Pour le féliciter pour son beau discours, il faut être le dernier des derniers des courtisans. Mais le président de la République est songeur. La situation en Ukraine, envahie par les troupes russes depuis deux ans maintenant, se dégrade. La guerre s'enlise. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir renvoyer des mecs à Odessa, lâche d'un air, dégager le chef de l'État devant une poignée d'invités. Que le chef de l'État puisse désigner des soldats par le terme mec me. Révulse. Il parle de nos soldats, ceux qui risquent leur vie. Et qui a décidé l'envoi de ces soldats Le Parlement Le Sénat Les Français ont-ils été consultés Pas le moins du monde. C'est donc un acte tyrannique. Insupportable. Allez, la première vignette guerre en Ukraine. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Là j'avoue, Emmanuel Macron, c'est presque un maître-étalon. Je vous ai présenté son bilan. Il est calamiteux. Et il nous explique que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Mais cela me semble une évidence. Et les Français désormais vont désirer une victoire de Vladimir Poutine. Ils ont envie que leur vie change parce qu'ils ne supportent plus. Emmanuel Macron. Deuxième vignette, là il a fait encore plus fort. Emmanuel Macron choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est ne pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Là il s'est trahi parce que son raisonnement n'a ni queue ni tête. Ce n'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite, comme si les deux termes s'opposaient. Il faudra bien qu'un pays cède. Or, il se trouve que militairement, c'est la Russie qui a gagné. La défaite, elle est actée d'ailleurs par la communauté internationale, l'Ukraine a bien perdu. Il faut donc désormais négocier. Or, Emmanuel Macron ne peut pas l'accepter. C'est une défaite non pas pour la France, mais une défaite personnelle parce qu'il a misé sur le mauvais cheval. Il a engagé les finances de l'État sur une défaite. Oui. Il veut manipuler la guerre en Ukraine pour des raisons strictement personnelles. Rétropédalage du chef de l'État, Emmanuel Macron. Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité aux Françaises et aux Français. Il y a quelque temps, il voulait livrer l'arme nucléaire. Il s'est fait taper sur les doigts sur une partie de la hiérarchie militaire. Il est obligé de revenir en arrière. Rétropédalage donc et là, c'est acté, la Russie a gagné. Nous avons un objectif, la Russie ne peut et ne doit pas gagner cette guerre. Emmanuel Macron peut se rouler par terre, taper de ses petits poings d'adolescent immature le sol, il doit regarder la réalité en face. La Russie a gagné la guerre. La Russie s'est mise en économie de guerre, elle produit énormément d'obus et de munitions. L'Europe en est incapable. L'Europe est ruinée. Les Américains ont lâché l'Ukraine. Ce n'est donc qu'une question de mois avant que les Ukrainiens eh bien, cèdent face aux pressions russes. Emmanuel Macron a tenté donc hier de cacher la réalité aux Français avant les élections de juin parce qu'il est dans le camp des perdants. Il a misé sur le mauvais cheval et ça, il ne peut pas l'accepter. Alors il manipule le soutien à l'Ukraine pour en faire un argument d'élection. Acclimatons l'opinion publique au retour de la guerre. Est-ce qu'il y a encore un Français qui est dupe de la stratégie présidentielle J'en doute de plus en plus. Allez, on écoute Laure Lavalette qui résume bien, dirait, ce que je viens de vous dire. On ne parle pas une puissance qui a l'arme nucléaire de la même façon qu'à une autre. Ça s'appelle la grammaire nucléaire. C'est appris dans toutes les écoles d'officiers. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on l'on veut, Adrien Jean Ça n'est pas possible. Ça n'est pas ce que veulent les Français. Huit Français sur dix sont opposés à l'envoi de troupes en Ukraine. Il y a une troisième solution qui est effectivement ce qui est en train de se passer, qu'on envoie et qu'on fasse un petit soutien logistique à l'Ukraine. Et à ce moment-là, le front malheureusement n'avance que de kilomètres en kilomètres. Je rappelle que depuis le début du conflit, il y a 500 000 personnes qui meurent. Ça fait deux ans que les Ukrainiens vivent euh, une guerre absolument effroyable sur leur sol. Je pense qu'il faut évidemment ramener à la paix. Il faut sortir de cette escalade dans laquelle, malheureusement, le président de la République veut nous emmener. Ça, ça n'est pas être dans la faiblesse que de prendre un peu de hauteur et d'éviter les morts, monsieur Jeanne. Il faut absolument se mettre autour de la table et trouver une sortie par la paix. Très peu de conflits armés euh, se terminent par la capitulation ou par la victoire armée d'un autre dans le monde entier. Moi, je pense qu'on est dans rhétorique de campagne. S'il n'était pas 12 points derrière Jordan Bardella, nous n'en serions pas là. C'est très inquiétant. Ça veut dire que la diplomatie devient une, une arme de campagne. Ils veulent déplacer le débat des Européennes sur cette guerre. Et je pense que c'est manquer de respect pour le peuple ukrainien. Et c'est très inquiétant pour le monde. Soit c'est la guerre, soit c'est la paix. Et eh oui, Emmanuel Macron manipule donc cette guerre en Ukraine à des fins personnelles. Alors, est-ce que c'est la Pire prestation farineuse d'Emmanuel Macron. Ah oui, cette séquence vous dit tout. Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes au sol. Anne-Sophie Lapix, vous n'excluez pas d'envoyer des troupes en Ukraine Bonjour et bienvenue. Là, vous êtes assise devant moi. Est-ce que vous êtes debout Non. Vous n'excluez pas de vous lever Vous avez l'intention de le faire Voilà. Et là, on se dit heureusement qu'on est bien assis sur sa chaise. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison stupide, alambiquée Est-ce qu'il joue avec Anne-Sophie Lapix à Assis debout couché En même temps, c'est une journaliste aux ordres, hein. on pourrait comprendre que cela soit un jeu entre eux. Non, pas le moins du monde. On revient à ce que je vous ai dit hier. Emmanuel Macron s'est fait taper sur les doigts par les Américains, l'OTAN et les Allemands. Par cette phrase, l'envoi de troupes au sol. Le résultat, c'est qu'il est obligé de rétro-pédaler. Mais en même temps, il ne doit pas montrer aux Français qu'il a changé d'avis. Et cela donne donc des comparaisons complètement lunaires. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait sa pire prestation, enfarinée de toutes ses prestations Oui. Parce que son jeu est évident et il manipule quelque chose de très dangereux la guerre. Les Français n'en peuvent plus et les premiers sondages qui sont sortis de la prestation du chef de l'État, eh bien ces sondages sont très négatifs. Et à l'étranger, quelle est la réaction par exemple des Allemands? Allemagne, le Bundestag s'oppose de nouveau à la livraison de missiles taurus à l'Ukraine. Au moins, les choses sont claires du côté allemand et du côté russe. Vladimir Poutine, la Russie est prête aux négociations, mais celles-ci doivent être fondées sur la situation sur le terrain, c'est-à-dire la victoire russe, et non sur des vœux pieux après avoir sniffé certaines substances. Avoir sniffé certaines substances Mais de qui veut-il parler Vladimir Poutine Moi, je ne vois absolument pas. France Anouna Boyard 3-0 pour Anouna. Procureur David Guiraud, avez-vous obtenu le consentement de Boyard pour diffuser vos échanges SMS de correspondance privée Cyril Anouna. Donc non, donc j'attends son procès. Et Bing 1-0. Est-ce que Louis Boyard était présent Non, il a préféré fuir. Il est resté 24 heures et quand Anouna est arrivé, il a pris la poudre d'escampette. 2-0. Et Hanouna a rappelé l'amitié qu'il avait avec Louis Boyard. 3-0. Quant à Guiraud, il s'est ridiculisé. Mais en même temps, comme nous le rappelle Pierre Sotarelle, il y a quelque chose de stupéfiant, de terrifiant même. D'un côté, ça nous parle de guerre nucléaire. De l'autre, l'Assemblée débat des échanges de SMS de Louis Boyard avec Hanouna. C'est absolument terrifiant. Nos députés, au lieu de s'opposer... À celui qui nous gouverne avec ses décisions extrêmement dangereuses, eh bien, se dispute sur des sujets pour le coup très secondaires. Mercadal, notre ami Mercadal, que lui arrive-t-il Représailles, soutien sans faille à Pierre-Guillaume Mercadal. Tous ces cochons ont été empoisonnés, ce qui va entraîner l'euthanasie de tout son cheptel. Il y a quelques mois déjà, certains de ses cochons avaient déjà été abattus par balles. Il est également menacé. Cela me met hors de moi, ce genre d'histoire. Où sont les journalistes pour soutenir Mercadal Toujours dans la même veine, le général André Coustou. Je reprends ce que je vous ai dit hier, parce que c'est un énorme scandale. Il faut absolument le relayer sur les réseaux sociaux. Le général André Coustou détaille la menace qu'il a reçue après son passage sur Sud Radio concernant les gilets jaunes et Emmanuel Macron. En effet, Emmanuel Macron avait donné l'ordre, selon le général Coustou, de tirer sur les gilets jaunes. Les militaires ont refusé. Soit je me taisais jusqu'aux élections européennes et rien ne se passait pour moi, soit je continuais de parler et je pourrais avoir une crise cardiaque. C'est une menace en bonne et due forme. Là encore, il faut absolument que cela se sache. À relayer sur les réseaux sociaux. Allez, on va se quitter sur un sujet bien plus léger, encore que Aya Nakamura. Mais là, on a l'impression que c'est Nakamura, R-A-T. Larcher et Nakamura, hum, c'est chaud, c'est chaud. « Le président du Sénat, Gérard Larcher, critique le choix d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 ». Quand je regarde ces textes, on est loin de la représentation de la France. Par exemple, avec Katchaka, cette ode à la levrette. Et oui, en Kachana euh, serait donc cette position. Il ne s'agit pas de l'animal. Petit correctif, c'est pas Katchaka, mais en Kachana. Et là, on a une illumination. Vous vous souvenez d'Amélie ou Castera qui chante ravi, extatique, oh Daja, Daja en Kachana. On comprend mieux son sourire. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.